Duel de deuxième moitié de tableau entre Angers et Troyes. Le SCO n'a remporté que 2 de ses 11 derniers matchs et n'a plus la même forme qu'en début de saison. Troyes de son côté a mis fin à 4 matchs sans victoire, un nul et 3 défaites en s'imposant en match en retard dans la semaine à Montpellier. Avec l'arrivée de Bruno Irles sur le banc, l'Estac va tenter de mener à bien son opération maintien. Les Angevins vont essayer, eux, de retrouver de l'efficacité offensive. Un but simplement lors des 3 derniers matchs. Mais l'efficacité, ce début de rencontre, il est pour les Troyens avec Brandon Dominguez qui va inscrire son premier but. Opportuniste pour pousser ce ballon au fond des filets. Petkovic était intervenu mais il a été abandonné par sa défense. La réaction derrière des hommes de Gérald Baticle avec cette incursion dans la surface de réparation et le pénalty sifflé par Monsieur Lissorgue. Le spécialiste maison, c'est Thomas Mangani en force au milieu sous la barre. Ça fait un but partout à la 26e minute. Gauthier Gallon a anticipé. Et à peine 10 minutes plus tard, nouvelle sanction, nouveau pénalty pour les Angevins. Avec la faute sur Mathias Pereira-Lage. Mangani face à Gallon. C'est au milieu, c'est en force, c'est sous la barre. Deuxième pénalty inscrit dans l'après-midi pour Thomas Mangani, son 6e but de la saison, son 5e pénalty transformé, comme ça avait été le cas au match aller, alors que les deux équipes s'étaient quittées sur le score de 1 but partout. 2 buts à 1, c'est le score à la pause en faveur du SCO d'Angers, qui avait pourtant l'habitude de marquer en deuxième mi-temps. 18 de ses 26 buts avaient été marqués au retour des vestiaires. Casimir Ninga a une belle opportunité pour porter le score à 3 buts à 1. Mais il y a un beau retour de la défense troyenne. Le geste acrobatique de Rodriguez. Mais c'est trop axial et capté par Petkovic hein, qui est le titulaire à part entière hein, depuis le prêt de Paul Bernardoni à l'AS Saint-Etienne cet hiver. Allez, les Angevins pourrait se mettre à l'abri, mais Galvaud de leurs opportunités. Après 3 matchs sans victoire, Angers s'impose de nouveau et se rapproche du milieu de tableau. Troyes n'enchaîne pas après sa performance à Montpellier et ne compte qu'un point d'avance sur le barragiste.